Good morning! Regardez qu'est-ce qui est saute. Le chat. Il est encore ici. Je sais pas où les vlogs vont être en ordre que vous cachez pas parce qu'il y a un chat ici, là. Anyway. Ouais! Couche-toi bien. Rise and shine! C'était censé une joke, là. J'étais pas censée essayer, là. Quoi? Hey, tu peux sortir si tu veux, là. It's Devin with a broken heart. Oh my god, la chanson à Zoe Ferguson a sorti aujourd'hui. Puis ça s'appelle Let Me Leave. Si vous êtes intéressé d'aller là, c'est vraiment une bonne chanson. Ok? Ouais, descends pas là, je m'en fous. Ow! Ok. Quoi? Tu veux dire dans le vlog? Puis ça, tu veux. Et vous avez un chat miaulé même. Je vais aller l'aider. Rise and shine, bon matin. Pourquoi je suis ici là? Colline de leur mec. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée chargée, puis espérant que je vais être capable de tout compléter ce qui se marie. C'est pas comme les autres frères que j'essaye de compléter ce qui se marie, puis que je réussis pas. Je vais faire un effort aujourd'hui là. I'll do an effort. Mais là, ma cousine, genre comme ma cousine que je vois pas trop souvent là, m'a texté pour me dire qu'elle travaillait pas aujourd'hui. Parce que j'ai demandé si elle travaillait demain, samedi. Elle est comme, je travaille toute la semaine, mais je travaille pas aujourd'hui. Puis je suis comme, on peut jamais se voir. Puis là, aujourd'hui, je suis comme, toutes mes affaires planifiées. Puis là, je sais pas quoi je vais faire. Anyway, je vais essayer de comme faire le plus que je puisse ma liste. Peut-être j'irai la visiter. Puis après ça, je reviendrai continuer ma liste. On verra bien. So, premièrement, faut que je vais apporter la TV à ma soeur, à la dump. Là, genre, c'est comme une place exprès que tu peux apporter comme des vieilles cannes de peinture, des vieilles TV, des vieux électroniques. Puis eux, ils comme, sont débarrassants d'une bonne façon. Là. Fait je vais apporter la TV là-bas. Faut que j'apporte mes manteaux nettoyeurs. J'étais censée faire ça hier pour mon vlog que vous êtes censé voir aujourd'hui que j'ai pas posté. Ouf, anyways. Faut que je vais au gym. Faut que je filme une recette pour ma vidéo que je vais faire deux recettes dedans. Je fais mon budget vraiment important parce que là, dernièrement, là, je vais au magasin puis je dépense. Puis là, j'écris pas mes dépenses puis c'est vraiment problématique. Fait faut vraiment que je fasse mon budget. Clairement, faut que je prends ma douche. Faut que j'update mon agenda parce que là, on start une nouvelle semaine bientôt. Fait que là, faut que je fasse sûr que toutes mes choses sont à jour. J'ai besoin, ben vous la voyez pas, mais tu sais, ma grande plante que je vous ai dit là, qui était là, puis j'étais comme ouf, je la transplante. Ça fait comment longtemps je dis ça? Ouais, c'est ça. Je vais écouter l'album à Post Malone là. Parce que la dernière fois, j'ai dit que j'allais l'écouter, je l'ai pas écouté. Comme j'ai rien qu'écouté la moitié, puis j'ai comme abandonné le reste là. Je vais organiser le garde-manger parce que là, l'autre fois, je voulais organiser le garde-manger, puis là, ma grand-mère était ici, puis là, elle a essayé de m'aider, puis elle a comme rendu ça pire que quoi c'était. Ok? Fait que ça marchait pas là. Ça marche pas. Là, je l'ai laissé sans surveillance une minute, puis là j'arrive au garde-manger, puis j'étais comme c'est pire là, c'est pire que quoi c'était là. Faut que je fasse ça. Je vais passer la balayeuse dans ma chambre, ben partout, mais dans ma chambre spécifiquement là. Peinture, oh ça, je peinture, non, je vais enlever ça direct. Je sais que je peinturerai pas, mais je pense que pour la peinture là, que je vous dis, c'est dit, j'ai commencé à peinturer dans le salon là, dans la cuisine là. Je pense que j'ai convaincu ma mère à accepter cette couleur là, parce que j'ai dit garde maman là, comme juste la ta peinture là, on peut pas rester de même à moitié peinture là. On va avoir trois murs de la différente couleur, puis là il y a un mur qui est plein de tape, comme garde là, le gallon de peinture était 78$, ok, comme Benjamin Moore doesn't play là. Mais aujourd'hui ça me tente pas de faire ça parce que comme peinturer là, ça prend genre toute la journée, comme faut que je crée ça une journée spécifiquement pour ça. Fait je vais l'enlever tout de suite, sinon je vais être déçue que j'ai pas fait ça là. Puis il faut que je lave mes draps parce que là t'es bête là, là ce côté ici là. D'eau dans mon lit là, pis you know, comme c'est pas trop c'est not sanitary. Bah il dort juste sur comme un duvet, il dort pas comme dans mes draps là. Et je viens de sauter dans mon lit là, mais c'est ça, je veux quand même laver mes draps parce que là tu sais je suis sale, pis là comme je vais aller me laver puis je vais être toute propre. Fait là tous mes draps, mes couvertures vont être propres. Puis aussi j'ai changé sa sorte de litière, fait que là c'est comme des petits morceaux de bois, puis c'est écrit apparemment que ça comme ça prend pas sur les pattes parce que c'est comme quand même gros là, puis ça traîne pas partout dans la maison comme tu sais la petite litière qui est toute mince là, whatever là. So là je l'ai mixé avec la vieille litière hein, juste pour qu'il s'habitue. Puis là éventuellement, on dit il, mais on sait pas si c'est un gars ou une fille là, en tout cas ça cartue là. Mais c'est ça, éventuellement ça va juste être ce litière là, puis on va voir si que ça fait que c'est censé faire. Parce que là c'est ça, la raison que je veux poser la balayeuse d'ici là, c'est qu'il y a de la litière, il y a comme une coupe de graines de litière dans mon plancher là. Fait que en tout cas, c'est une nouvelle vie avec un chat là, c'est comme différent, c'est du rajustement. C'est ça les updates en ce moment. J'ai oublié d'écrire edit vlog là. Ben c'est post vlog, edit slash post vlog là, parce que en réalité je l'ai pas posté. J'étais en train d'éditer, puis là j'ai complètement oublié parce que j'ai starté mon film, parce que je voulais starter mon film avant minuit. Puis là c'est ça, j'étais en train d'écouter mon film, puis là quand mon film a fini, ben j'étais comme trop fatiguée, puis j'ai genre de oublié qu'il fallait que je continue à éditer. J'ai quand même le poster aujourd'hui, c'est juste qu'il sera pas posté à 9h clairement là. Fait que c'est ça, je vais m'installer à mon mardi en premier, faire mon budget, mon vlog, puis tout ça, puis après ça je vais aller me laver, puis whatever. Fait qu'on se verra, mec, je suis en train de faire de quoi là. Hey Mr. Kitty, t'es banni de ma chambre parce que je lave mes draps. Ok?
Qu'est-ce que tu veux? On va les freaks. On va là-bas. Merci de comprendre. Hey! Tu peux rien faire avec ça. You're coming with. Let's go, bro. On s'en va. Avec. Ok, on y va. Guys, je commande mes sneakers, ça fait comme depuis le mois de septembre que je veux commander depuis ma fête là. Parce que j'ai deux cartes cadeaux de mes amis. Je vais utiliser ça puis après ça je vais payer le reste. Parce que ma mère a dit qu'il allait les payer pour moi puis réalistiquement si j'attends pas hier, je les aurai jamais là. Oh, ça dit standard ou wide. Si je prends wide, il y a qu'au cas où. Je suis pas sûre. Mais les sneakers là. Je suis comme pas mal sûre que c'est les... Ok, c'est peut-être pas les mêmes. Mais ils sont vraiment similaires à des sneakers que j'ai déjà eu de une de mes ex-amies, là. Puis la seule raison que je les ai plus, c'est à cause que justement, ça venait d'hier. Puis j'étais comme, ah, oh, ça me tente comme pas vraiment, tu sais, de... Whatever, là. Juste parce que c'était pas moi-même qui me les avait achetés. Puis là, ça me faisait souvenir, cette amie-là, puis whatever, là. Mais pour le reste, ça était vraiment confortable. Puis en vrai, je suis pas mal sûre que c'est comme les mêmes. En vrai, je suis sûre pis pas là, je sais pas là. Mais j'hésitais en deux, j'hésitais en... Ben, ces deux-là, là, c'est tous les deux leur marque New Balance, mais... C'est que c'est là, une des paires que j'ai essayé en magasin, puis André, elle était comme... Puff! Pis là, l'autre paire, c'est qu'elle fait penser beaucoup à la paire que je vous dis que j'avais déjà eu là. Mais je l'ai comme pas trouvé en magasin pour les essayer. Ceux-là, je sais plus quoi faire. Et anyway, je vais penser à ça, pis même que je les commande, ben... Mais qu'ils arrivent, comme je ferai un unboxing pour les essayer pis tout ça là. Mais c'est ça, je pense que je vais les commander directement sur le site New Balance parce que j'ai checké dans une couple de magasins de sneakers pis comme il y a aucun sneaker que j'aime là, comme je suis vraiment difficile pour les souliers là, pis c'est pour ça que j'ai la même paire de sneakers, ça fait presque 10 ans. C'est ça, je vais faire ça, pis après ça, je vais aller me laver vraiment vite fait parce que j'aimerais décoller de chez nous avant 3 heures parce que j'ai comme une couple de choses à faire en dehors de la maison. Pis là, c'est ça, faut vraiment que je me dépêche, je me prépare vite, j'ai sorti mon linge déjà là. Fait que ouais, je vous update très bientôt. Update là, j'ai mis ce chandail ici parce que je pensais pas qu'il faisait chaud. Je sais pas si c'est juste dans ma chambre, mais il fait 23 degrés, c'est juste là. What the fuck là? Anyway, quand j'ai checké tout à l'heure, vous êtes 10. Mais ouais, là j'ai été me laver. Je me presse là, comme je le décale à 3 plaies, 3 écarts, puis ça dérange pas vraiment là. C'est juste que je vais me presser à y aller apporter cette TV là parce que la place juste qu'il faut que je l'amène, ça ferme à 4h30. Puis aussi en dessous de ça, il y a des manteaux que je vais apporter au nettoyeur. Mais il faut aussi que je vais apporter des affaires que ma mère a demandé que je lui apporte au travail encore une fois là. Mais avant tout ça, je vais y aller à la boîte à mal. Ces hosties d'angle là, comme lui, il servait de tomber là. Lui il a tombé, je l'ai mis dans ma poche. Anyway. Mais je vais aller à la boîte à mal voir si mon paquet que j'ai commandé est arrivé parce que là ça fait 7 semaines, ça fait 3 semaines que j'attends ce paquet là. Ok, j'ai commandé sur Velvet Caviar puis j'ai déjà commandé là-dessus avant, puis en vrai je me souviens pas que ça avait pris tellement de temps là. Puis là ça dit sur mon application, pas sur mon application mais ça dit sur le site là, whatever, avec mon tracking number que ma livraison a été livrée. Savez-vous ce que ça a été livré? Ça a été livré à Salt Lake City, Utah. Ok, puis la dernière fois que j'ai checké, je vivais pas à Utah là. Fait que là je sais pas ce qui se passe. Je les ai emailé pour dire what the fuck bro là, comme allô, j'attends mon paquet, ça
fait littéralement un mois là, comme je suis carrée là. Je suis pressée, j'ai chaud en crise, comme je sais pas quoi ce qui se passe, ça. Comme il fait 23 degrés là. Voyez-vous ma sueur là? Je stresse. Bad news, j'ai seulement reçu une lettre. Ah, puis mon nom est mal écrit. Service Canada, puis mon nom est mal écrit. Ça fait littéralement des années, c'est même, puis je sais pas comment faire pour changer ça là. Anyway, not my fault. Savez-vous comment ça a coûté pour faire laver deux manteaux au nettoyeur? 63,95. Criminel. Comme réalistiquement, j'aurais peut-être pu le faire avec ma balayeuse à eau, comme à savon, whatever. Mais je sais pas si ça aurait fait le même effet. En tout cas, je l'ai payé là, mais disons que le nettoyeur, c'est pas cheap, hein? Je viens juste de sortir du gym, puis je suis vraiment désolée que j'ai pas filmé rien là, c'est juste que j'étais vraiment dedans mon workout. Puis aussi, il y avait comme beaucoup de monde, puis déjà que je suis gênée de filmer qu'il y a pas beaucoup de monde, ben là je suis encore plus gênée quand il y a beaucoup de monde. Oh là, j'ai laissé mon brassard de sport en dessous, puis ça paraît là, puis là je voulais pas que ça paraît, mais... J'ai eu un bon workout par exemple là, j'ai fait mes jambes aujourd'hui, puis j'ai vraiment sué. Ça m'a fait du bien. Je suis vraiment contente que j'ai été, même si c'est comme pas ma journée aujourd'hui là. Ben pas ma journée dans le sens que on est vendredi aujourd'hui puis je vais pas au gym d'habitude le vendredi, c'est juste que je suis comme en retour d'une journée, donc j'essaie de me rattraper pour la semaine prochaine là. Là je suis au Superstore, j'ai venu chercher une couple de choses. Ben ok, avant je vais vous updater sur ma liste de choses à faire que je vous ai dit ce matin là. Sur la seule chose qui me reste que j'ai pas faite, c'est filmer mon vidéo pour la recette d'automne, puis c'est pour ça que je suis au Superstore, j'ai venu chercher des choses pour ça. J'ai pas écouté l'album à Post Malone, mais je l'ai écouté avant de me coucher. J'ai pas nettoyé le garde-manger, mais peut-être bientôt comme à soir après le souper là, ça je pourrais faire ça parce que ma mère travaille tard aujourd'hui, ça je vais comme... Je serais pas stressée de comme tout, t'sais, débouler la maison là. Et mon agenda aussi, il faut que je fasse ça. Puis la terre pour ma plante que je vais transplanter, c'est que j'ai oublié de checker si j'avais un pot ou non. Fait que là, tant qu'à aller au magasin, si j'ai besoin d'un pot, je vais pas comme catch là, so anyways, je crois que je vais comme peut-être abandonner ça encore une fois pour aujourd'hui là. Pratiquement tout coché que ce que j'avais besoin de faire aujourd'hui. Mais c'est ça, là je vais aller chercher une couple de choses pour la recette d'automne que je vais faire. Ben, je vais faire deux recettes d'automne. Mais je vais starter pour y aller à l'épicerie, puis je sais pas si je vais les faire aujourd'hui, mais j'aimerais comme en fin de semaine les faire là. Je vais prendre un petit souper rapide, comme je sais pas, peut-être comme une pizza que je peux mettre au fourneau, ou comme des potes que je peux faire cuire vite fait, ou tu sais, quelque chose de rapide là, air fryer, whatever là, parce que j'ai vraiment faim, puis j'ai pas vraiment envie de faire un gros souper. Fait que c'est ça mes petits updates, je m'en vais là au Superstore. Combien de fois je vais vous dire ça, je sais pas, anyways. J'ai une bonne journée, j'aime les journées juste que je fais une grosse liste de choses à faire puis que je coche la majorité là. Parce que André, c'est comme, ça me fait sentir accompli. Ok, j'arrive de l'épicerie là, alors que je vais vous montrer que j'ai acheté pour 123$. Ça c'est pour ma recette. Ah, oh, faut que tu te montes en même temps. Ok, ça c'est pour ma recette de muffin, whatever là. Ouais, tu peux même pas voir, d'ici. Tu sais, je te décris, là. Purée de citrouille. Ça, aussi pour mes deux recettes, en réalité, c'est du beurre non salé. Beurre non salé. Ah! Du sucre brun. Oh! Attends, c'est-tu du sucre brun ou c'est salé cassonade dorée? Moi, je pense qu'il fallait que je prenne comme l'autre, là, pour que ça ait essayé de casser le sucre. Ça, c'est ça qu'on mange à soir avec de quoi d'autre. Je vais montrer, là. C'est des crevettes tempura. Et des bouchées de morue. Et là, j'ai acheté ceci. Deux boîtes de croissants parce que ça fait plusieurs semaines que je les trouve pas. Fait que quand je les ai vus que c'était un stock, je n'ai pas gagné deux. J'ai déjà mangé une coupe là. Ça aussi, je n'ai déjà mangé. Des oignons verts. Parce que j'avais besoin des poireaux pour ma recette. Puis là, apparemment que des poireaux et des oignons verts, c'est la même chose. C'est que les poireaux, c'est genre comme 4 fois la size de ça là. Du céleri pour ma recette, parce que ça prend un mélange de mirepoix. Puis c'est, basically, c'est du céleri, des oignons puis des carottes. So, j'ai pris ça parce qu'on a déjà des carottes puis des oignons. Du sucre à glacer. Aussi pour ma recette, je sais pas quelle recette que c'est pour. Je crois que j'ai trouvé une recette de muffin, banane, citrouille, je crois. J'ai aucune idée comment ça va goûter maintenant. Du riz étuvé. Je sais pas c'est quoi, mais je pense que c'est du riz qui a déjà été cuit. C'était spécifiquement ce riz-là que j'avais besoin pour ma recette, là. Du bouillon de légumes. Finalement, j'ai trouvé... C'est pas la même que je prends d'habitude, mais c'est comme le même principe, là. De l'ail en pot. Ça vaut plus la peine qu'un morceau d'ail, là. Celui-là, c'est du bouillon
de bœuf. Même principe que lui. Deux paquets de viande hachée, de sachet, extra maigre. Pour aussi ma recette que je vais faire. So basically, j'ai rien que shoppé pour ma recette aujourd'hui. Je vais faire cuire ça. Je vais faire des nouilles. Il est juste 7h, je sais pas. Je vais faire ça, puis après ça, on verra qu'est-ce qui va se passer. Oh my god, non, n'aidez pas de l'éclairage, comme je suis à trop de place dans la maison là. Mais oui, je voulais organiser la garde-manger. Mais honnêtement, ça, ça va prendre beaucoup de temps. Parce que... je sais pas, comme il est vraiment désordre, comme je vous ai dit là tout à l'heure là. Mais là, j'étais en train de nettoyer ce coin ici, ok? Comme ça, c'est la laveuse sécheuse qui est ici. Là, je me suis dit, bah t'as qu'à cleaner ça, je pourrais cleaner l'armoire qui est là. Comme, c'est ici, ça fait du rancis. Parce qu'il y avait ça qui traînait, puis ça, ça va dans le garde-robe là, puis comme vous voyez, c'est un méchant mess. Fait je me suis dit, bah peut-être que je préfère ça à la place. Puis demain, ou après demain, je ferai le garde-manger. Anyway, j'ai trouvé un masque, mais je pense pas qu'il est utile là, je sais pas où je mets ça. Anyway. So, je vais vous montrer les avant du garde-robe, puis si je fais du progrès, je vous montrerai le après. Commencer ça à 10h le soir. Selon moi, 70% des choses c'est dedans, on n'a pas besoin là. Et je sais que ça paraît pas, mais je commence à faire du progrès. Comme là-dedans, j'ai organisé. Ça, c'est ma boîte à outils à moi là. Ça, je l'organise pas vraiment. C'est comme pour savoir où ce que toutes mes choses à moi sont. Ça, j'ai tout organisé. Ça, jusqu'à là, je l'ai organisé. Ici, c'est cuisine. Au milieu, c'est comme juste général. Puis ça, c'est toilette. Là, j'ai fait un bac avec des bulbs. Un bac avec seulement des vis et des tournevis. Là, ici, ça va être un petit peu plus comme. Construction random, si tu veux, je suis pas sûre. Là, j'ai deux sacs, un pour des crochets, un pour des petites choses de même. Fait que, ouf, c'est là que je suis là. Checker le show right now, checker le. Je vais vous montrer mon progrès. Ça m'a pris vraiment longtemps. Je sais pas comment longtemps, comme 1h30 dedans là. Comme c'était vraiment intense. Puis là, c'est ça, il y avait un gros bac avec des pinceaux puis tout ça. Des affaires de peinture. Puis c'est. Je crois que c'est comme un petit peu la raison pour que l'armoire était emmerdée là. Parce que c'était comme dans les chemins. Fait que là, je l'ai enlevé, je l'ai mis dans le salon. Mais comme demain ou dimanche, faudra juste comme passer dans le bac pour voir si toutes les choses là-dedans sont vraiment nécessaires. Parce que si on a 15 fois la même pinceau là, comme il y en a de ceux que je vais apporter au deuxième mois parce qu'on n'a pas besoin de tout ça là, ok? Comme ça, rien prend trop de la place. Mais là, soit ça me tente pas, puis honnêtement, je suis fatiguée, puis faut que j'écoute mon film, faut que je joue mon Duolingo, faut que je fais le petit peu de vaisselle qui reste là. Après que je vous montre ça, je vais aller me laver, puis après ça, je vais aller relaxer. Mais je suis vraiment fière de ce que j'ai fait, honnêtement, so je vous montre. Anyway, vous avez pas vu ce que c'était à tout à l'heure, c'était vraiment bad là, comme il y avait plein de stuff là. Puis il y a des paniers en linge, puis les paniers en linge, ils vont pas vraiment là. Là, je vois que c'est ça, faudrait que je. T'as pas lu ça. So ici, j'ai tout clairé comme les bouteilles parce que c'est comme rien que dans les chemins. Puis j'ai lavé la table parce qu'elle était comme pleine de savon là. Ça, ça avait tombé en arrière, so je l'ai mis ici parce que en haut là, il arrête pas de tomber. Ça, c'est du bounce. Ça, je sais pas c'est quoi. C'est pas du bounce, mais je sais pas c'est quoi. Ça, c'est mes feuilles de détergent dans la 5000 par exemple. En bas, c'est l'affaire d'internet. Petite lampe. Ça, c'est mes huiles essentielles spécifiquement pour le lavage là. Je les ai mis là-dedans. Ça fait pas un petit panier à linge là, je trouve c'est cute. Il y a littéralement rien dedans. En fait, je l'ai sorti pour que ma mère le use puis qu'on jette la bouteille là. Mais ça, c'est du liquide à laver. Ça, c'est enlève-tâche le meilleur. Enlève-tâche ever, si vous voulez savoir mon vrai opinion. Ouais. Meilleur enlève-tâche ever. Et ici, j'ai fait un petit panier pour le chien. Soit on a dédié un instrument spécifiquement pour lui. Et une brosse à cheveux que ma soeur lui a donné là. Ça, c'est pour la litière. Je sais pas vraiment si c'est bon. C'est comme paillette sans. De sans bon là. Du spray anti-puce. Ça, c'est un vieux rouleau. Ah, essuie-tout que j'ai trouvé là. Je l'ai mis là-dedans. Sac à poubelle, brosse à poils. Fait que ça fit pas trop bien, mais je l'ai mis pareil là. Ouais, c'est ça le petit setup là pour le moment. So, comme j'ai dit tout à l'heure, les bacs là, ils ont comme des. Ils ont des choses désignées là. Comme ça, c'est cuisine, random, toilette. Papier de toilette, Kleenex, essuie-tout. Les bouteilles, genre, qu'on pourrait potentiellement utiliser plus souvent, mais c'est comme genre des extras. Parce que dans la cuisine, il y a des bouteilles aussi là. So, anyway. J'ai mis ça là. Ici, c'est un bac random, mais qu'on pourrait encore utiliser peut-être potentiellement. Comme c'est des batteries ou des tacs. Fusil à colle, ma soeur le cherche pas le temps. C'est pour ça que je l'ai mis là. Ça, de la colle. Tu sais, comme rien que random là. Ici, c'est tous les médicaments. So, j'ai trouvé des affaires d'angle, je l'ai mis là-dedans. Pilule d'allergie, plaster.
pas vraiment sûre qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est rien comme de la crème, là. Puis ça, je sais pas trop c'est quoi, là. Anyway. Ça, c'est de là, c'est mal de gorge. Notre stock est lourd, là. C'est du nez au citron avec d'autres affaires. Puis ça, c'est comme toutes les autres pilules qui est pas des pilules d'allergie, ni des affaires pour la gorge. Puis ça, là, c'est rien comme random, là. Aussi des bouteilles extra, mais comme quand on utilise, moi souvent c'est pour ça que je les mets comme au fond. Les bacs ils siltent, ça a l'air comme désorganisé là. Bah dans les bacs c'est pas tellement organisé, mais tu sais, comme vu de même, c'est beaucoup mieux là. So, ce bac ils siltent, c'est comme des affaires comme de construction random, genre. Ma mère cherchait ça là. Ça fait longtemps qu'elle cherchait ça. Je l'ai trouvé, elle va être contente, c'est pour ça que je l'ai mis devant là. Ici c'est comme rien que random, genre vraiment, vraiment random. Comme il y a un jeu de cartes, une palette à mouche, comme une affaire de plug, comme tu sais, c'est vraiment random. Ici c'est tous des plugs. Ça c'est juste des petits bacs d'extra. Ça c'est mon bac à outils. Regardez, je m'avais fait une petite pancarte, mais on le voit pas là. Boîte à outils. Au milieu c'est des bulbs. Puis ici c'est des vis avec des tournevis. En bas c'est beaucoup mieux, on peut installer la balieuse, la mop. Ça je l'ai comme, c'était tout mal à manger, j'ai tout mis le fil comme il faut. Et ça c'est la litière du chat. Moi je trouve c'est quand même beaucoup mieux que quoi ce que c'était, ça je suis fière de moi. Je vais me laver, je vais faire mon lit parce que si que je sors de la douche puis mon lit est pas fait, je vais être vraiment mad. Puis là il fait chaud en crise ici dedans parce que j'ai mis la chaleur à 23. Là, je crève. Puis aussi, j'ai les joggings longs, là. Je vais les enlever, je vais dormir avec des shorts. Ouais, si vous êtes intéressé de savoir, aujourd'hui, je dors avec des shorts. Je suis prête à écouter mon film. Il est 11h52, puis il faut que je sorte mon film avant minuit, là. Fait que ça presse. Aujourd'hui, j'écoute... je l'ai ramassé, mais j'écoute mon CD, là, de How to Lose a Guy in 10 Days. Puis je sais que c'est vraiment un bon film, là. Anyway. Là, j'ai toute ma lignée de snacks, là, ici, là. J'ai mon verre d'eau. Ça là. Je suis vraiment épuisée. J'ai déjà fait mon Duolingo. Là, je m'ai lavé vite fait. C'est ça, je vais relaxer, je vais écouter mon film. Là, apparemment, demain, ma soeur s'en va à quelque part pour comme toute l'après-midi jusqu'au soir. Puis là, ma mère est comme, faudrait qu'on fasse quoi, moi, putain. Puis là, elle était comme, on va-tu déjeuner nos trois demain matin, là, avant qu'on apporte Alicia là-bas. Oh my god, arrête pas de se crier un après l'autre, là. Puis là, j'étais comme, tu demandes-tu sérieusement à ma soeur de se lever pour aller déjeuner, là. Comme la connais-tu pas, elle se lève à 4 p.m. chaque jour. Anyways. Mais je suis quand même fière de ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai été à l'épicerie, j'ai fait du ménage. J'ai apporté des choses à des places que j'avais besoin. J'étais au gym puis tout ça. Ça c'était comme une pas pire journée honnêtement là. Demain je vais essayer de faire une de mes recettes. Puis vous verrez ça probablement dans une autre vidéo. Fait que sur ça je vous dis bonne nuit. Puis on se verra dans un prochain vlog. J'ai rien d'autre à vous dire. Le train presse. Il arrive minuit. Bye!